Joseph Kabila, le Congo lui a tout donné. Il est venu avec la fidèle, nous savons comment. Vous et moi, comment les gens de la fidèle sont venus ici. Nous savons comment ils sont venus avec des bottes en plastique. Tout le monde. Les héritiers sont restés. Et ces héritiers n'ont pas rendu service à la République. En ce qui concerne Joseph Kabila particulièrement, je dirais qu'il est venu avec la fidèle. Il a eu le pouvoir ici. Les Congolais ont toléré parce que les bouts de papier de décret loi constitutionnelle de 15 articles de l'époque de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila n'avaient pas prévu la succession. Comment est-il devenu président de la République ? Les Congolais ont toléré. Il a eu le pouvoir, il a eu les biens matériels, il a eu l'argent, il a eu des femmes et il a tout eu. Qu'est-ce qu'il peut encore chercher à recevoir après avoir tout reçu du Congo? Tout ce que moi je peux lui demander, c'est qu'il comprenne que chaque chose a son temps. Et comme son temps de régner au Congo comme président de la République est révolu, qu'il laisse le président Félix gérer le pays comme il se doit pour l'intérêt bien compris. Voilà comment cette idée est en train de faire du chemin. Et ici, les gens qui croyaient que Félix ne pouvait rien faire ont été désagréablement surpris. Mais nous n'avons pas été surpris. C'est quand Félix parlait en termes de parabole que je vais déboulonner, les gens disaient non, il ne fera rien. Quand il leur disait je vais venir avec le but rouge, ils ne voulaient pas croire à ça. Au jour d'aujourd'hui, Félix est devenu prophète. Parce que ce qu'il avait annoncé, c'est ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Donc nous pensons que maintenant le Congo va sortir du gouffre pour que le peuple puisse enfin pousser un ouf de soulagement, même si tous les problèmes ne seront pas résolus, parce que les héritiers de l'AFDEL ont tellement causé des dégâts dans ces pays que la situation est difficile. Mais le peuple va tant soit peu retrouver le sourire. Ici, j'attire l'attention des compatriotes katangais. Le Katanga est écrit sur la page noire de l'histoire du Congo. Kimbangu a été déporté au Katanga, mort là-bas. Lumumba, déporté au Katanga, tué là-bas. Toujours au Katanga, on a connu ce qu'on a appelé l'épuration ethnique. Nous retenons. Et il ne faut pas que les Katangais pensent que certains Katangais, parce que là nous avons un des 13 parlementaires de l'île de paix au Katanga, Gabriel Kingwa Kumanza. Chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise, l'AVDC Panorama d'Afrique, bonjour. Nous vous disons merci de nous avoir accepté dans vos salons. Vous qui êtes fidèles à tout moment pour nous suivre et suivre l'émission Ngombo le soir à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En collaboration avec Don Kayembe, qui est notre rédacteur et administrateur de la Voix de la démocratie congolaise, l'AVDC Panorama d'Afrique à partir de New York, nous vous disons merci. Et dans cette émission, nous recevons aujourd'hui une personne qui n'est pas la moindre, une personne qui était connue, qui est connue et qui le resterait encore, une personne qui a fait la fierté du parti, une personne qui fut pour la toute première fois porte-parole de l'île de paix sous les règnes du Sphinx délimité, le feu président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. La personne n'est pas la moindre, comme je voulais de vous le dire, c'est M. Jean-Baptiste Bomanza, qui à un moment a été porté disparu. Il y a eu un silence total, mais sur la scène politique, il y était, mais au niveau du média, Jean-Baptiste Bomanza n'était plus comme il l'a été auparavant. Raison pour laquelle aujourd'hui, votre chaîne de télévision La Voix de la démocratie congolaise, au travers votre humble serviteur José Kapajika, se fait l'insigne honneur de recevoir M. Jean-Baptiste Bomanza qui est en face de nous. Bonjour M. Jean-Baptiste Bomanza. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment vous allez?
Oui, ça va un peu bien. On est en train de continuer le combat, mais je voulais faire un petit rectificatif. Je n'avais pas dit soirée à travers les médias. La vérité, c'est que votre média ne me contactait plus. Mais sur d'autres médias, j'étais presque omniprésent. Je n'étais pas silencieux. Et je crois qu'avant de pouvoir développer ce que nous allons faire dans cette émission, je me permettrai de saluer la mémoire de feu docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui était le grand recteur de la grande université politique du Congo, qui est l'UDPS, et qui était pour moi un des grands professeurs de cette université politique-là. J'ai cité encore une fois de plus l'UDPS. Avec lui, il y avait les savants professeur Eliaou et les autres membres, coprésident national, le président Frédéric Kibassa-Maliba et Vincent Bankem-Niaro-Liem, qu'on appelait souvent les plus jeunes. Donc, je demeure sur la scène, sauf que le silence au niveau du parti découle du fait que j'ai été victime de la jalousie. Ceux qui ont bien suivi mon histoire au sein de l'UDPS, il y a eu intrusion de mercenaires liquidateurs qui avaient comme mission de pouvoir faire taire l'UDPS. Et ces gens-là m'avaient ciblé parce que l'UDPS était identifié à son temps à la tête de Jean-Baptiste Bomanda. Voilà comment ces gens-là m'ont poussé à la porte de sortie. Après avoir raté de m'éliminer physiquement parce qu'on avait envoyé une voiture qui a failli me tuer, mais Dieu n'a pas voulu. Et je crois que je demeure celui que j'ai toujours été, mais avec la différence maintenant que je reviens au bercail et le reste. Nous allons y arriver. Votre réapparition date du jour quand vous étiez reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des consultations nationales. À quel titre l'étiez-vous reçu? J'ai été reçu comme personnalité politique. Et ici, je dirais une chose, c'est que depuis que les ennemis du parti m'avaient poussé à la porte de sortie, je n'ai jamais coupé le cordon ombilical avec l'UDPS. Chaque fois qu'il y avait des cérémonies importantes au niveau de l'UDPS, j'y étais là. Je peux citer l'exemple du congrès qui avait élu le président Félix Tshisekedi comme président du parti. J'ai pris part parce qu'on m'avait invité officiellement et j'avais pris la parole. Et puis, chaque fois qu'il y avait anniversaire du parti, j'étais là. Pendant les obsèques du Sphinx, j'étais là. Pendant le quatrième anniversaire au mausolée de Lancel, j'étais là. Donc, j'ai toujours été omniprésent au niveau de l'UDPS, bien qu'étant un peu à l'écart pour les raisons que je venais d'avancer tout à l'heure là. Et je vous dirais que du vivant du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, j'étais parmi les rares qui n'étaient plus physiquement au sein du parti, qui étaient en dehors, mais à qui les Sphinx se faisaient appel, à qui moi-même aussi j'adressais les demandes d'audience, ils n'hésitaient pas à me les accorder. Donc, parlons du président Félix Tshisekedi de Tshilombo qui les a reçus. Avez-vous parlé de votre inactivisme politique et vous avez dit que le président, en sortant de l'audience, vous avez dit que le président vous a demandé de revenir à votre parti, cher UDPS. Qu'est-ce que vous lui avez répondu lorsqu'il vous a demandé cela? Qu'est-ce que vous lui avez Bon, répondu? la première chose qu'il faut souligner, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était un compagnon de lutte. On a fait beaucoup de tours avec lui à l'intérieur. On est allé à l'Équateur, en Mbandaka. On a fait le Kasaï oriental jusqu'à Mwenedi-Tout. Et chaque fois qu'il y avait certaines rencontres politiques importantes, on était avec lui. Il connaissait mon évolution. Il connaissait ce que je faisais.
parce qu'on échangeait de temps à autre avec lui, accompagné de l'autre compagnon de lui, qui est Kumbu Kumbel, le petit frère à Kumbu, qui était collaborateur du président Félix Tshisekedi, qui était même ministre du gouvernement issu de la conférence. Le président de la République est la personne la mieux placée, qui connaît comment j'ai évolué tout en étant en dehors du parti à cause de la volonté de ces mercenaires liquidateurs. Et quand il m'en a parlé, je peux dire que j'étais en contact permanent avec lui tout en étant président de la République à travers des héros dans l'ombre. Et ici, je citerai notre compatriote Aristote Mutombo, que le président utilise régulièrement dans certaines émissions. Il y a l'ambassadeur Nicolas Kazadi aussi. Par leur canal, j'étais en contact permanent avec le président de la République jusqu'à ce que pendant la consultation, comme j'avais émis le vœu que moi aussi j'y prenne part, une invitation m'avait été lancée. Voilà comment le président m'a reçu. Et à l'issue de l'audience, on a pris les photos. Et comme lui m'appelle souvent JB, il m'a soufflé à l'oreille. Il dit, mais JB, aux autres, la nuit, pas aux la et moi, de lui répondre, le président, Naza déjà prédisposé à Kozonga. D'ailleurs, ben, monsieur Rao, il va à la campagne, là, il va à la campagne, il va à la campagne, il va à la. Mais je crois que je suis maintenant disposé à rentrer au parti. Alors, non, il ne faut pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Maintenant que je t'ai reçu, en quittant ici, il y a les médias qui sont là, la presse est là, annonce officiellement ton retour au parti. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre réintégration au sein du parti à ces jours? Vous êtes-vous vu avec les nouveaux dirigeants du parti, c'est-à-dire le président Ali Jean-Marc Kaboum, son secrétaire général Kabouya? Oui, immédiatement après avoir quitté le bureau du président de la République, j'ai annoncé officiellement mon retour. Et je l'ai annoncé ce jour-là qu'on m'avait reçu, le secrétaire général était là. Avant même que le président ne me reçoive, j'étais avec le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est un jeune frère avec lequel on a toujours été en bon terme. Je veux peut-être vous faire rire à son temps, quand lui était étudiant à l'ISC et en même temps animateur du Parlement debout. Les documents sensibles qu'on me remettait pour dénoncer à travers la presse, moi je les multipliais, je lui remettais, c'est lui qui distribuait un peu partout. En ce moment-là, je l'appelais le distributeur. Même les jours que nous avons été ensemble dernièrement, quand je l'ai appelé distributeur, parce que lui m'appelle toujours national, il dit, mais national, toi tu n'as pas encore oublié ces choses-là. Je lui ai dit, non, ça c'est l'histoire de l'UDPS. Ça te collera à la peau si moi je suis en face de toi, parce que c'est l'étape de notre combat. Donc, avec le secrétaire général, on s'est déjà vu plus d'une fois. Le président AI, on ne s'est pas encore rencontré physiquement comme ça, peut-être son calendrier, mais avec le secrétaire général, je suis en contact permanent, il n'y a pas de problème. Et lui, et le président AI sont des jeunes frères avec lesquels je parle. Faisons un peu marche en arrière, M. Jean-Baptiste Bomanza, de l'extérieur. Parlons un peu, un tout petit, sur les crises qu'a connues l'UDPS. De l'extérieur, comment avez-vous aperçu les différentes crise au sein de votre parti UDPS, notre parti UDPS? Ça me faisait mal au cœur. Pourquoi? Expliquez-nous, c'était comment? Ça me faisait mal au cœur quand je suivais des disputes, quand je suivais à travers les médias tel groupe contre tel autre groupe. Nous, qui nous sommes battus pour que ce parti soit effectivement debout, nous qui avons secoué toutes les dictatures, à commencer par celle de Mobutu, en passant par celle de Laurent Désiré Kabila pour terminer par celle de Joseph Kabila, quand je suivais ces différents épisodes-là, ça me faisait très mal au cœur. Et mon souci était qu'un jour,
ça se calme, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous soyons au pouvoir. Nous avons un président de la République. Au lieu qu'ensemble, nous puissions nous serrer les coudes pour que nous puissions pousser le président à aller de l'avant. Mais nous, nous nous intéressions aux querelles intestines. Ça ne m'a pas réjoui. Donc je n'ai pas été content de ça. Revenons aux consultations et à la formation de l'Union sacrée de la nation. Qu'avez-vous à dire à ces démarches initiées par le président Félix Antoine-Tshisekedi? Croyez-vous que c'est le début de la solution à la souffrance des Congolais lambda? Je crois que je suis parmi les personnes les plus heureuses. Parce que dès le départ, j'avais toujours dit que cette alliance-là était une alliance contre nature, cette coalition, dans la mesure où les FCC, qui selon moi est une nébuleuse qui n'a même pas d'existence juridique, ne pouvait jamais accepter que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo réussisse là où ils ont échoué avec politesse. Voilà pourquoi j'étais toujours contre cela. Et quand le président m'a reçu, je lui ai fait certaines propositions contenues dans les mémos que je lui ai laissés. Mais quand il a annoncé la rupture, j'étais très heureux. Et l'initiative de l'Union sacrée de la nation est une bonne initiative. Et si je suis content, parce que beaucoup de compatriotes qui étaient au FCC ont trouvé en Félix leur sauveur. Les sauveurs, pourquoi? Parce qu'il les a délivrés de la prison de Kingakati. Il les a délivrés de la prison de Kabila. Voilà pourquoi tous ceux qui aiment le Congo ont répondu à l'appel pour la constitution de l'Union sacrée de la nation. Nous pensons que le président de la République avait été inspiré. Et voilà comment cette idée est en train de faire du chemin. Et ici, les gens qui croyaient que Félix ne pouvait rien faire ont été désagréablement surpris. Mais nous, nous n'avons pas été surpris. C'est quand Félix parlait en termes de parabole que je vais déboulonner, les gens disaient non, il ne fera rien. Quand il leur disait je vais venir avec le but rouge, ils ne voulaient pas croire à ça. Au jour d'aujourd'hui, Félix est devenu prophète. Parce que ce qu'il avait annoncé, c'est ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Donc nous pensons que maintenant le Congo va sortir du gouffre pour que le peuple puisse enfin pousser un ouf de soulagement, même si tous les problèmes ne seront pas résolus, parce que les héritiers de l'AFDL ont tellement causé des dégâts dans ces pays que la situation est difficile, mais le peuple va tant soit peu retrouver le sourire. Et les combats que nous allons mener avaient comme objectif qu'en 2023, le président de la République puisse rempiler et nous pensons que les efforts seront faits. Et ici, mon souci le plus ardent, ça je l'ai dit au président, c'est contenu dans mon mémo, il faut suffisamment de réformes parce qu'on ne peut pas atteindre les changements, les développements s'il n'y a pas de réformes. Parce que le régime passé a détruit le pays. Félix ne peut pas améliorer les conditions s'il ne procède pas par des réformes conséquentes. Et donc je crois qu'il faudra cela. Et le gouvernement qui sera mis en place ne devra pas être un gouvernement éléphantesque. Mais laissez Jean-Baptiste, parce que vous parlez du président qui venait de sauver le cadre ou le membre du FCC qui était comme dans une prison. L'immigration des membres du FCC ou bien du député du FCC vers l'Union sacrée de la nation, selon vous, est-elle faite par conviction politique ou par intérêt égoïste? Craignent que le Parlement soit dissous et que nombre d'entre eux n'étant pas réellement été élus par le peuple congolais vont perdre leur mandat. Vous croyez vraiment qu'ils sont sincères dans cette immigration? Non, je crois qu'il s'agit d'une prise de conscience. Parce que, et nous tous, et le président de la République lui-même, nous ne faisons que conscientiser ces compatriotes-là. Et pour ces compatriotes, bien qu'étant de Kingakati,
il parlait avec nous comme il se doit, parce que tous ne sont pas mauvais. Donc, je crois que pour la plupart, ils sont allés à l'Union sacrée par prise de conscience. Ce n'est pas pour chercher le mangeoire. Bon, il peut y avoir un faible taux. Des gens de ce genre-là, ils ne peuvent pas manquer. Mais la grande majorité a pris conscience qu'il faut sauver le pays. Parlons un peu de l'avenir du pays. D'aucuns présagent une crise telle qu'une guerre comme en 1960 et en 1964-65, du temps du président Kassavubu, ou bien une crise politique pour déstabiliser la République démocratique du Congo, ou même le gouvernement qui sera mis en place. Votre point de vue, comment interprétez-vous le silence de Joseph Kabila Kabila? Bon, Joseph Kabila, le Congo lui a tout donné. Il est venu avec l'AFDL, nous savons comment. Vous et moi, comment les gens de l'AFDL sont venus ici. Nous savons comment ils sont venus avec des bottes en plastique. Tout le monde. Les héritiers sont restés. Et ces héritiers n'ont pas rendu service à la République. En ce qui concerne Joseph Kabila particulièrement, je dirais que il est venu avec l'AFDL. Il a eu le pouvoir ici. Les Congolais ont toléré parce que les bouts de papier de décret loi constitutionnelle de 15 articles de l'époque de l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila n'avaient pas prévu la succession. Comment est-il devenu président de l'AFDL? Les Congolais ont toléré. Il a eu le pouvoir, il a eu les biens matériels, il a eu l'argent, il a eu des femmes et il a tout eu. Qu'est-ce qu'il peut encore chercher à recevoir après avoir tout reçu du Congo? Tout ce que moi je peux lui demander, c'est qu'il comprenne que chaque chose a son temps. Et comme son temps de régner au Congo comme président de la République est révolu, qu'il laisse le président Félix gérer le pays comme il se doit pour l'intérêt bien compris du peuple souverain. Mais ceux qui peuvent avoir des idées derrière la tête pour créer le désordre, je crois qu'il n'y aura plus de désordre dans ce pays. Tout celui qui va oser créer le désordre, il va trouver le peuple sur son chemin. Et il sera neutralisé, ou ils seront neutralisés. Il y a des gens qui peuvent caresser ce genre d'idées, mais ces idées-là ne réussiront pas. Parce que le peuple congolais a trop souffert. Et Dieu, qui nous a donné ce riche pays, ne va pas tolérer que nous puissions avoir un pays immensément riche, avec une population trop pauvre. Une partie du peuple de Tapangé pense qu'ils peuvent bien avoir l'autonomie. Ici, j'attire l'attention des compatriotes katangais. Le Katanga est écrit sur la page noire de l'histoire du Congo. Kimbangu a été déporté au Katanga, mort là-bas. Lumumba, déporté au Katanga, tué là-bas. Toujours au Katanga, on a connu ce qu'on appelait l'épuration ethnique. Nous retenons. Et il ne faut pas que les Katangais pensent que certains Katangais, parce que là nous avons un des 13 parlementaires de l'île de Paix au Katanga, Gabriel Kingwa Kumanza. D'ailleurs, qui a été annoncé sur les réseaux sociaux qu'il serait mort, mais lui-même il a démenti. Il n'attend que la signature de l'éternel Dieu, Dieu des voilà. armées, pour qu'il puisse voilà. partir. Il n'y a pas assez là qui veulent savoir. Il y a des patriotes Katangais qui ne sont pas pour cela. Et ceux qui veulent rééditer ces tristes exploits, ils trouveront l'État dans leur chemin et ils seront neutralisés. On ne peut plus parler. La Constitution, après le dialogue intercongolais, on a dit que plus jamais personne ne prendra le pouvoir par les armes. Ceux qui vont des illuminés, qui pensent qu'ils peuvent encore rééditer l'exploit, ils seront neutralisés. Il n'y a pas que nous. Il y a Dieu, il y a nos ancêtres, il y a les martyrs de la démocratie qui ne permettront plus jamais ça. Chers téléspectateurs, vous ne soyez pas surpris.
Nous sommes au Planète J chez le professeur Kirungozi qui nous a donné ses bocades pour présenter cette émission. Nous revenons vers notre invité Jean-Baptiste Bomanza. Et quel rôle, M. Jean-Baptiste, comptez-vous jouer maintenant sur le plan politique et aux côtés du chef de l'État, maintenant avec ses comebacks? Je vais continuer à jouer le rôle que j'ai toujours joué. Je vais, lorsque le président va me recevoir encore une fois pour parler cette fois-ci à UDPS, je vais lui suggérer ce que je pense faire. Et c'est seulement après que je pourrai dévoiler ça sur la place publique. Pour le moment, c'est un dossier qui reste, qui est géré par le président de la République lui-même. Mais je suis revenu à la maison, la preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, vous me recevez. Ce rôle-là, à travers les médias, je vais continuer à le gérer jusqu'à ce que la situation d'autres charges que l'on pourra bien me confier. Et comme cofondateur de l'UDPS et au cadre de ce parti. Parce que dans l'histoire de l'UDPS, dans cette fondation-là, il y a les briques de Jean-Baptiste Bomanza. Vous ne pouvez pas parler UDPS sans citer le nom de Jean-Baptiste Bomanza. Vous savez que l'UDPS a été créé en février 1982. Mais moi, j'y ai adhéré en 1984. 2 ans seulement après la création. Et une bonne partie de ma jeunesse a été sacrifiée dans ce combat-là. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais voulu voir l'UDPS en difficulté. L'UDPS, c'est moi. Et donc, l'avenir va nous le dire incessamment et vous saurez quel rôle je vais jouer dans les jours à venir. Et c'est là, après la rencontre que j'aurai avec le président de la République, avec le secrétaire général, on a déjà parlé. Avec le président Haï, on n'a pas encore parlé. Et je suppose que le secrétaire général a fait rapport au président Haï. Et je pense que les choses vont aller dans le sens que nous souhaitons. Parce que c'est maintenant que le vrai combat commence. Sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est maintenant que le vrai combat commence. Parce que le vrai combat commence maintenant. Il faut que les combattants de première heure soient en première ligne pour faire face à ceux qui vont vouloir tenter des exploits malheureux. Les combattants doivent être en première ligne pour mettre hors d'état de nuire ceux qui caressent encore les idées de déstabiliser la République. Monsieur Jean-Baptiste, un mot aux anciens cadres de l'UDPS qui prennent les pieds pour rejoindre et donner leur appui, expertise au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que ces cadres-là doivent regagner la maison, comme moi je l'ai fait. Et je crois que je pourrais éventuellement me donner la mission de contacter ce cadre-là, de sorte qu'ils puissent venir nous retrouver. Il y a des cadres compétents qui ont fait avec nous la pluie et le beau temps. Je citerai par exemple notre compagnon de lutte Vincent Chabani, avec lequel nous sommes arrivés jusqu'en Suède. Je citerai... Il est secrétaire général du CDPS, c'est ce jour. Oui, j'ai appris ça. Bon, CDPS, avec le vieux Belchikan. Donc, il y a le Jean-Baptiste Mompata, mon homonyme, qui est déjà au niveau du parti, mais qui n'a pas encore de fonction. Il y a le vieux Sylvain Kamani. Ils font partie des vétérans. Mais il faudrait que les stratégies que nous mettions en place reviennent. Parce que vous savez qu'à son temps, notre groupe était qualifié de groupe du 20 mai. On était sous la houlette de notre aîné Sylvain Kamani. Nous avons fait avec Rémi Massamba. Avec Rémi Massamba, oui. Ouais. Avec Rémi Massamba et les autres. Et c'est chez lui, au 20 mai, qu'on nous a arrêtés pour aller nous jeter à Makala. En décembre 2001, quelques mois seulement après l'accession de Joseph Kabila au pouvoir, nous avons été parmi ces premiers prisonniers
premiers prisonniers du début du règne de Joseph Kabila. Ça, nous ne l'oublierons jamais. Et donc, les amis, je ferai un effort pour contacter les uns et les autres. Et je crois que le président de la République et lui-même avait déjà lancé l'appel pour que nous puissions réintégrer les partis. Parce que l'UDP s'est unie est plus forte, même qu'une bombe atomique. Ça, l'opinion le sait. Ok, M. Jean-Baptiste, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans faire allusion à la crise sanitaire qui a été annoncée, prononcée par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. Vous avez suivi, comme tous, les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Quelle analyse, quel commentaire faites-vous sur ces discours et que pensez-vous de l'état d'urgence du couvre-feu qui est annoncé à partir de ce soir sur toute l'étendue de la capitale de Kinshasa de 21h à 7h du matin? Vous savez, j'ai fini par comprendre que il y a la main de Dieu sur Félix. Et le fait d'avoir mis le pays entre les mains de Dieu au stade des martyrs, je crois que Dieu est en train de le conduire. Les discours du président de la République m'ont touché. Tous ces discours qu'il a prononcés ces derniers temps, et celui de départ de 6 minutes, et celui d'ici décembre, et celui sur l'état de la nation, la conclusion c'est que Félix c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Vous imaginez quand je l'ai suivi, parce que moi-même j'étais à l'hémicycle du palais du peuple. Quand il nous parle des humiliations qu'il a supportées, est-ce que vous connaissez dans l'histoire du monde un président de la République qui est, en quelque sorte, je peux dire, déconsidéré, qui n'est pas respecté par un premier ministre qu'il a nommé par ordonnance, par les présidents de l'Assemblée nationale, par les présidents du Sénat. J'ai entendu certains dire que non, il faut que Félix et Kabila se rencontrent. Mais ils doivent se rencontrer pendant combien de fois? Félix rencontre Kabila à deux, sans témoin. Le soir, vous suivez à la télévision les gens de la nébuleuse et des FCC en train de parler de ce dont ils se sont dit. Les gens ont eu même le culot de dire que c'est eux qui ont donné le pouvoir à Félix. Moi, je leur ai dit, vous ne connaissez pas Félix. Venez nous demander, nous, ses compagnons de lutte. Et je leur disais souvent à Lingala, oui, parce que moi, je suis en train de faire un peu. À cause de la moine, je suis en train de Et Félix devait faire un effort pour avoir des leviers suffisants du pouvoir avant de frapper. Et maintenant, il a frappé. Il a frappé. Et je crois que le Congo va aller de l'avant. Le souci qui est le nôtre, c'est que le Congo reprenne sa place dans le monde, dans les concerts des nations. Vous imaginez, ici, nous avons tout. Ce qui ne se trouve nulle part au monde se trouve ici chez nous au Congo. Et Frantz Fanon n'avait pas tort en disant que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve ici chez nous au Congo. Donc, je pense que les différents discours, surtout celui sur l'état de la nation, a été un discours responsable. Le président a fait un diagnostic sans complaisance. Et il a prescrit une thérapeutique. Ce que nous attendons maintenant est que l'informateur soit nommé d'abord, qu'on mette en place le bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale, que l'informateur soit nommé, que le gouvernement soit formé. Ce gouvernement-là ne devra plus être un gouvernement éléphantesque.
Le président doit faire la réforme ou les réformes à tous les niveaux. Vous proposez au gouvernement de combien de membres, par exemple, de combien de ministères? Je crois qu'une quarantaine suffirait. Quarantaine de ministères ou quarantaine de membres? Des membres du gouvernement. Ministre plus vice-ministre. Oui, oui. Une quarantaine suffirait. Parce que sur le plan économique aussi, nous avons des problèmes. L'argent ne se fait pas voir comme il se doit. Les gens ont créé des trous par-ci, par-là. Ce qu'on appelle la dilapidation des ressources du pays. Les coulages des recettes. On se souviendra du document sulfuré de notre compatriote Périclès, le beau Nzoloban, il est ça, qui a aligné une somme de 15 milliards de dollars qui partait comme ça. Le Congo était devenu une sorte de tonneau de Danaïde. Ça entre, ça coule, ça part. Donc je crois que c'est maintenant que le président de la République va faire un effort. Dès que le gouvernement sera mis en place, pour qu'il y ait un gouvernement qui sera composé de patriotes, de véritables patriotes. Et comme le président n'avait pas réussi à faire l'audit de la République, c'est maintenant que l'IGF, l'inspecteur général des finances, devra avoir du boulot, et du boulot à suffisance, pour nous aider à récupérer les fonds que des individus avaient pris. Vous savez que dans notre pays, les individus sont devenus plus riches que l'État congolais. Et il faut que l'État récupère cet argent qui se trouve entre les mains des individus. Et là, on ne dira pas qu'il s'agit de règlement de compte, non. Le pouvoir judiciaire doit jouer son rôle. Vous savez, j'ai été surpris en apprenant que notre petite sœur Jeannine Mabunda est allée saisir la justice. Mais c'est elle qui fustigeait la République des juges. Aujourd'hui, ce n'est plus la République des juges. Non. Elle était venue même avec un peu, je crois, au Parlement pour montrer le prix du pain. Mais justement, mais quel effort a-t-elle fait pour que cela ne se passe pas comme ça? Les propositions des lois importantes qui ont été déposés n'ont pas été débattus, même au moment où elle a quitté l'Assemblée nationale. La loi Lutundula sur la réforme de la CENI, depuis septembre de l'année passée, plus d'une année, Mabunda n'a jamais aligné cette loi. Mais nous avons vu les propositions Minakwe Sakata, n'ont même pas fait une semaine. Là où il voulait encore caporaliser les pouvoirs judiciaires. Non. Non. Désormais, nous pouvons dire. Il y a notre temps qui court vers sa fin par rapport au couvre-feu. Pensez-vous que ce serait une réussite? Ce n'est pas aussi une façon d'exposer la population ces jours de fin d'année où les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas de moyens et on les expose comme ça vis-à-vis de la police qui va les maltraiter une fois de plus, pour n'avoir pas respecté la décision du chef de l'État? Moi, si j'ai un conseil à prodiguer au sujet du couvre-feu, on peut le maintenir, mais il faut revoir l'heure du début. En ce qui me concerne personnellement, si ce couvre-feu pouvait commencer à 23 heures, ce serait une bonne chose. Parce que les décisions ont été prises en connaissance de cause. Le président de la République reconnaît pourquoi. Et nous autres, Congolaises et Congolais, c'est pour notre bien. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de rectifier un peu du côté de l'heure. Si ça peut commencer à 23 heures, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a les difficultés de transport. Et donc, je pense que 23 heures serait l'heure idéale pour que le couvre-feu commence. Une minute, une question par rapport à la présidence de la RDC. Qui va trôner la tête de l'Union africaine à partir du mois de janvier. Félix, président de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà pourquoi il faut que l'ordre soit mis au niveau de la République. Voilà pourquoi il y a eu cette idée de l'Union sacrée de la nation.
pour qu'ensemble nous puissions accompagner le président Félix tout au long de son mandat, je crois qu'il commence en février, hein, si j'ai bon moment, ça commence en février. Et il faut qu'ensemble nous puissions l'accompagner. Parce que c'est la renaissance du Congo. Sur le plan africain et sur le plan mondial. Vous voyez comment les délégations arrivent, les délégations africaines, européennes et même d'autres continents, pour échanger avec le président autour de son prochain mandat comme président de l'Union africaine. C'est une bonne chose. Vous savez que Félix a fait un effort pour remettre le Congo dans le concert des nations. Du point de vue diplomatique, chapeau bas au président de la République. Il a fait un effort pour tirer le Congo de l'isolement dont il était l'objet. Et je pense que ce mandat-là sera un mandat fructueux. Et tous, nous avons l'obligation de l'accompagner jusqu'au bout de ce mandat. Un mandat très difficile parce que c'est plus ou moins 128 réunions annuelles qui seront dirigées par le président de la République sans tenir compte des va-et-vient diplomatiques, des ambassadeurs, des diplomates qui vont venir ici être reçus dans le cadre de l'Union africaine. Mais c'est Jean-Baptiste, votre mot de la fin, vous avez 2 minutes pour nous dire votre mot de la fin, afin que nous tirons notre émission à sa fin. Bon, je peux dire que l'heure est venue que les vrais patriotes se soudent le couple pour sortir le Congo du gouffre où les héritiers de l'AFDL l'ont placé. L'heure est venue de mettre de côté nos égaux pour privilégier ce qui doit nous unir obligatoirement. Et ici, je salue le courage de certains compatriotes députés qui ont compris que il fallait appliquer le principe selon lequel le député n'a pas un mandat impératif. Je le félicite. Et aux autres qui n'ont pas encore compris, il n'est pas interdit à quelqu'un ou à un groupe d'individus de se masturber intellectuellement. C'est un devoir. On est en démocratie, ils peuvent le faire. Mais ici, je félicite mon compagnon de lutte, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les décisions courageuses qu'il a prises. Pour ce qui reste, enfin, pour terminer, parce que je m'inspire aussi de certaines chansons de nos compatriotes et musiciens. Et ici, je termine en me référant à une chanson de Feu Poupé Calais, Mobembo. Mobembo Abakuba. En terminant cette chanson, il va s'exclamer. Ah, ma petit baloba titro. Ma petit baloba titro. Ma petit baloba titro. Ma soupiro. Ma petit baloba titro, vino mo boyoki. Mobembo Abakuba, ya Pepe Calais, Kabasele Yampania. D'heureuse mémoire qui n'est plus avec nous. C'était les bons moments que nous avons tous savourés pendant que les autres traînaient encore, je ne sais pas où, qui étaient arrivés par après avec des bottes en caoutchouc. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous savons que nous vous avons ouvert la porte des médias. Tout le monde cherchera à vous entendre dans leur chaîne. Les télévisions, nous espérons vous retrouver très prochainement sur la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la BDC, la première chaîne de télévision sur Internet de la RDC. Merci beaucoup, merci à vous, nos auditeurs et nos auditrices, nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde, nos fidèles téléspectateurs comme Didier Kamani qui est à Bergen, à Norvège, Kamani Bukassa, Olivier qui est à Paris, Kiki Kamani aussi, parce que surtout la famille Kamani qui sont fidèles à cette chaîne de télévision. Et Madame Sylvie Kobangé, Madame Thérèse Tafajika qui est à Stockholm et tous ceux qui sont restés fidèles à notre chaîne de télévision, nous vous disons merci et nous vous demandons de rester encore fidèles à nous et à nos amis de New York qui nous suivent sur BronxNet TV, de rester branchés chaque mardi et chaque jeudi pour nous suivre et merci. À la prochaine.